pense que c'est le rêve qui donne de l'espoir. C'est vrai que cette thématique 2023 était sous le thème rêve et réalité, qui laisse un grand choix aux designers. Donc ça leur laisse un vaste domaine libre et ils peuvent l'exercer comme ils le souhaitent. Donc on ne voulait pas choisir un thème qui va limiter la création. Alors pour cette année, nous avons eu un jury vraiment d'excellence. C'est des amis avant tout. Et on a travaillé dans une ambiance très 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 agréable. La sélection elle s'est faite sur 4 critères. Le premier critère c'était il fallait que ça soit dans le thème. Deuxièmement, on a vu un peu la créativité, la recherche. Et le quatrième, si on avait un coup de cœur ou pas pour le modèle. Je pense que c'est le rêve qui donne de l'espoir, qui donne la joie de vivre. Et on a ressenti ça à travers les réalisations des participants. Alors la collection cette année, elle était vraiment très diversifiée. Alors il y avait beaucoup de couleurs, donc beaucoup de recherches. Et on a trouvé comme quoi il y avait aussi beaucoup de participants. C'est vrai que ça fait la cinquième édition. Et là, on était à un peu plus de 120 participants. Donc, on avait pour tous les goûts. On a trouvé beaucoup de difficultés à départager les gagnants.